reborn. Ha! Wow, extraordinaire. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Ha! Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est pas de la blague. Un homme a essayé de tenter Dieu, mais il a signé. De rester. Son portefeuille magique a refusé de répondre présent à son appel d'argent pour la production de l'argent mystique. Et hors du commun, c'est ce que nous allons voir ici. Âme sensible, faites-vous en abstenir. Ha, venez voir. Mes frères et soeurs, venez, il y a un ferrage. Regardez ça. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle portefeuille magique. Portefeuille magique. Mais le gars qui est à côté ici, on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais son portefeuille magique qui tient dans la main a refusé de produire du blé. Regardez, il tape le portefeuille n'importe comment. Ça ne marchait pas. Il tape où? Ça ne marchait pas. Oh, mais je me dis, mais what? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sur le podium, les gens qui étaient présents sur le concert-là même, parce que c'était le concert d'une star de la musique en Côte d'Ivoire. Tout le monde était étonné là-bas. Les gens étaient surpris. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va passer là aujourd'hui? Nous, on n'a rien compris. Bon, écoutez. Regardez ça. Vous voyez ça? On dit, le diable trahit toujours jeune. Aïe, aïe, aïe. Le diable trahit toujours jeune. Vous voyez ça? Regardez ce qui s'est passé. Le gars, il arrive avec son pot dessus. Et il regarde dans le portefeuille, il était censé trouver de l'argent à l'intérieur dès qu'il l'ouvre. Mais il ouvre, il n'y a rien. Il ferme, il tape et il va encore ouvrir. Il n'y a toujours rien dans le portefeuille. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il va pas avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il tape plusieurs fois et il part. Vous avez vu ça? Attendez. Revenons à l'arrière, vous allez bien voir ça, vous allez vous comprendre que dans la vie ici, là, il y a quelque chose, des choses extraordinaires, des choses pas possibles. Regardez. Et il part, on le tire même, on le fait sortir. Regardez maintenant l'artiste et les gens qui sont là. Et les gens nous disent que oh, tu es béni, c'est pourquoi. Vous les artistes, coupé, décalé. Quand vous voyez les gens venir, les gens comme ça, prier dessus, hein. Faites-les arrêter, dites-les, écoutez, venez vous arrêter, si vous priez sur l'argent avant que vous ne partiez. Parce que c'est pas tout ça vient. C'est pas de la blague. Le gars est venu s'arrêter comme ça, avec un portefeuille mystique. Et il veut faire travailler sur un gars qui chante toujours en disant « Dieu m'a béni, je suis béni, je suis élevé. » Sérieux? Sérieux? Tu es venu tenter Dieu ou c'est quoi? Tu es venu tenter Dieu? Non, oui! Mais comment c'est possible? Bon, ok. Comment est-ce que ce portefeuille magique-là est censé fonctionner? Comment est-ce que c'était censé agir? Si vous ne savez pas comment ça se passe, la vidéo que je vais vous montrer là va vous expliquer en clair comment ça se passe par rapport à un autre gars qui témoigne que lui, son portefeuille magique fonctionne bien et nous dit même comment il a fait pour avoir son portefeuille magique. Tchit. Regardez. Bonsoir, monsieur, dame. Aujourd'hui, je vais vous présenter un monsieur, grâce à lui, aujourd'hui, s'il est venu quelqu'un. Mais quand j'ai représenté le monsieur, mais c'est pas comme ça qu'il serait pas en contact avec lui. J'étais sur une page YouTube. J'étais là regarder les vidéos d'Arafat après son décès. Bon, après son décès, je voulais me déconnecter, mais j'ai vu une vidéo. Il y a quelqu'un sur la vidéo. J'ai vu une dame, elle était assise dans une voiture, elle faisait les remerciements à un monsieur en disant papa talon. Je dis, ah, ok, je vais regarder la vidéo, ça m'intéresse. Elle parlait du bidou magique, elle montrait tout. Bon, après, vous me dites, c'est faux. Après, on peut aussi revenir sur la vidéo, j'ai pris le numéro du monsieur. Parce que moi, je ne connaissais pas son nom. J'ai pris la vidéo du monsieur, je l'ai appelé. On a commencé à causer. Il m'a donné tous ces détails. Tous ces détails. J'ai dit, ok, pas de soucis.
et j'ai suivi ses instructions. Et je lui ai envoyé ce que je vais l'envoyer. Quand je lui ai envoyé, une semaine après, il m'a envoyé les bédous. Il m'a dit simplement les bédous, mets 10 000 dedans. Mets 10 000 dans les bédous. Et chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois recevoir 1 million de francs CFA. Il a dit, ok, pas de souci. Mais les bédous étaient accompagnés de plusieurs choses. Voici la bague de multiplication. Ça, c'est venu avec les bédous. Voici le fétiche qui accompagne de la bague qu'on appelle Kakou. Grâce à ça aussi, l'argent vient. Voici le bédou aussi. Voilà. Puis je vais vous montrer combien j'ai eu cette journée. Grâce à la Jimmy. Et grâce à ce monsieur aussi, que je vais vous dire son nom tout à l'heure. Je l'ai remercié et je le remercie toujours. Il s'appelle Papa Talon. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis devenu qui je suis. Et je suis devenu aussi. Je ne vais pas m'inventer ou quoi, mais grâce à lui, je suis devenu quelqu'un que je suis aujourd'hui. Vous voyez un peu, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je nourris ma famille. Et puis bon, du coup, je fais des voyages que j'ai pu faire. Bon, voici le bédou. Chaque matin, je me réveille, j'ai 1 million. Voici ce que le bédou m'a donné aujourd'hui. Je vais vous montrer. Voici ça. Le bédou m'a donné 1 million de francs CFA. On peut compter ensemble. C'est pas de la blague. Je sais que j'ai beaucoup d'hommes qui vous ont blagué. J'ai beaucoup d'hommes qui vous ont fait rentrer, passer ici, bouffer votre argent. Moi-même, pareil, c'était pareil pour moi. Mais je ne me suis pas découragé. Mais grâce à cette femme que j'ai vue sur YouTube, aujourd'hui, j'ai eu mon chose, mon pain de demain. J'arrive à m'en sortir. Et je remercie toujours Papa Talon, ce monsieur Papa Talon. Je le remercie toujours, toujours que Dieu fait. On va compter cette somme ensemble. Voici ça, voici les 1 million. Vous voyez, c'est les 1 million qui est là. Voici le bédou. Voici le fétiche capot. Voici la bande de multiplication. C'est grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un. Mais chaque jour que je me réveille, tant que je n'ai pas dit merci à Papa Talon, je ne suis pas tranquille. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, j'arrive à lever la tête devant plusieurs personnes. J'arrive aussi à parler devant plusieurs personnes. Sinon, avant, dans la famille, on me traitait comme genre un chien pourri. Mais aujourd'hui, je suis la tête de la famille, tu seras élevé. C'est comme ça que je suis devenu aujourd'hui, grâce à Papa Talon. Donc, je veux dire à tous ceux qui vont voir la vidéo aussi, ne vous découragez pas, appelez ce monsieur qu'on appelle Papa Talon. Grâce à lui aujourd'hui, ton demain sera changé, ton avenir va changer. Tout ce qu'il va te dire, suis ça réellement, tranquillement et correctement. Tout ce qu'il va te dire, suis ça tranquillement et correctement que... Waouh, les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes forts. Vous êtes devenus même plus féticheurs que les féticheurs. Les jeunes sont devenus plus féticheurs que les féticheurs. Oh. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous avez vu ça? Dieu dit que tu travailles à la sœur de ton foie avant d'avoir Dieu. Et dit que non, Seigneur, tu as menti aujourd'hui là. C'est que tu cherches là. Moi, te donner ça. Quoi? Et voici comment les gens vont voir les hommes mystiques. Nous allons maintenant écouter un homme mystique nous expliquer la condition de ces gens de portefeuille. C'est parti. Oui, comment vous allez? Ça va bien, non? D'accord. Ici, c'est le grand maître à mentir, maître de richesse. Toi qui viens voir le portefeuille là, tu vas respecter les conditions de travail. D'accord, les ingrédients qu'on va payer pour le travail, c'est toi qui vas envoyer l'argent pour le travail. Parce que c'est toi qui veux utiliser pour réaliser tes rêves. D'accord. Et dans n'importe quel pays tu es, il n'y a pas de problème. Si tu veux avoir ça seulement, je vais t'envoyer par la DHL ou bien par les grandes bus là. Tu vas recevoir ton portefeuille, peu importe le pays dans lequel tu es, si tu n'as pas les moyens pour venir ici. D'accord? Que les divinités et les génies vous protègent. Et je vous préviens, le portefeuille, c'est sans conséquence, sans effet secondaire. Wow! Il faut que tu respectes les conditions de...
travail. Seulement, il faut que tu respectes les conditions de travail. Je dis que c'est sans conséquence, sans histoire, mais il faut respecter les conditions de travail. Les conditions de travail. Sérieux? Sérieux? Bon, ok. Donc, vous avez dit quoi? Ce gars n'a pas respecté les conditions de travail ou quoi? Regardez bien encore. On dit le pété, regarde, mon ami. Et on le tue pour bâtir. Waouh. Ce qui se passe, mon ami, c'est que tu étais face au diable. Quoi? Sérieux? Vous avez vu ça de vos propres yeux, hein? C'est pas moi aussi de vous raconter des histoires, hein? C'est pour vous dire que ça existe. Ça existe. Le seul à vous dire, c'est sans conséquence, il n'y a pas de problème, vous envoyez votre argent et pour faire le travail et tout ça. Mais entre nous, vous pensez que la parole de Dieu est là pour blaguer vous ou quoi? Ce que Dieu a dit de sa parole, c'est ce qu'on doit suivre, non? C'est ce que nous tous aussi, on doit suivre. Si vous faites autre chose que ça, on va découvrir que vous êtes désobéi à Dieu, exactement comme Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ouais. Et ce que le diable va vous donner là, ça va vous trahir forcément un jour. Comme ce qui vient de se passer. Dieu dit travaille à la suite de vos fonds. Moi, je regardez, je travaille dur. Je travaille dur comme ça. Regardez. Je suis Dieu merci. Ça dit d'aller un peu. Mais je travaille dur. Travaille dur, les gars. Ne vous livrez pas à la facilité, les go. Ça, c'est quoi, les gars? Laissez ces choses dans des choses, les go. Ouais, aujourd'hui le bédou magique t'a trahi. Mettez-le là devant les gens, en train de taper à gauche et à droite. Lui-même il se pose la question, ça remet. Ah, moulo. Moulé. Moulé qui. Moudou le nier. Il est perdu, il a quoi? C'est quoi? C'est comment? Que c'est facile. Et il est dans la confusion. Tu vois les gens. Tiens. Humiliation de ça, humiliation de ça. Vraiment, le diable humilie souvent les gens. Quand on dit que les choses du diable ont des limites là, voilà ça. Voilà ça. Vous avez vu cela de vos propres yeux. Maintenant, moi-même, souvent, moi-même, je me suis là et puis je réfléchis un peu et je dis, bon, ok. Si le profil magique là, ça fonctionne là-haut, pourquoi toi, depuis en bas là-bas, c'est-à-dire sous le podium, tu n'as pas enlevé la main à ta poche et puis tu viens sur le podium ici? Pour essayer de faire la démonstration. Je me dis que peut-être qu'il voulait faire la publicité de son marabout, histoire de montrer à tout le monde que son marabout est fort et que lui, ce qu'il il fait pour avoir de l'argent, tout le monde peut faire la même chose et lui nous faire la démonstration comme ça. Mais, il a échoué. Ouais, ouais, ça va aller. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Tenons vous faire Dieu, vous le jeune. Le jeune, là, de nouveau vie à Dieu. Maintenant, réfléchissez, mettez un bon bar en place, mettez un bon job en place et travaillez tranquillement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce que tu gagnes, c'est ce qui est pour toi. Ouais, que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous donne la sagesse. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve le lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.